Et bien sûr, mes loulous, c'est XVSK Audio, on se retrouve pour une nouvelle partie sur Assassin's Creed 2. Et vous pouvez voir que maintenant, je suis tout blanc, tout simplement parce que j'ai acheté une nouvelle armure. Je suis tout métallique maintenant, je suis un Iron Man. Cassez-vous! Oh merde. D'ailleurs, avant de partir... Ça va, j'ai fait le plein. Je me suis même acheté une nouvelle épée. J'espère que très prochainement, j'aurai l'épée d'Altaïr. Comme ça, je pourrais faire des haltères. Blague de merde. Allez, bref. Donc, on devait... Faut que j'attende à Venise. Et je sais pas où est mon objectif. C'est un peu ballot, attendez un peu. Parce que j'aimerais bien me rapprocher le plus près possible. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Je vais aller là. Non, c'est pas par là. Venise, c'est où? Florence. Ça doit être là. Voilà, on zoom. J'ai dit en zoom. Il veut pas. Enculé tasse. Bon. Ben on va aller... À la guilde des voleurs, tiens. Allez, hop. Let's go. J'espère que c'est sur le bon endroit, parce que j'ai pas envie de me taper. 5 km à pied, 5 km à pied. Hop, hop, hop. Oh yeah. Ah, et putain, il le fait pas. Il le fait toujours pas. Vilain. Allez. Oh ouais. I got the swag. Et apparemment, je me suis bien planté. Puisqu'il fallait que j'aille à l'opposé. J'adore ça. J'adore ça. Bah. Bon. Bon, bah j'ai l'air con. Très très con même. Parce que maintenant je retourne taper à pied. Saloperie de jeu. Bon, c'est pas grave. C'est pas encore trop loin. C'est pas comme s'il y avait 500 mètres à faire, hein. Hein. Bon. Allez. Putain, pourquoi. Bon, ça va. Ça va. Ah, attendez. Donc, je disais. Ça sera bien quand je pourrais retourner. Ah, ben en parlant de ça. Quand je pourrais reprendre le cheval. Quand je serai à Rome. C'est-à-dire dans Brotherhood. Allez, j'ai pris quelques petits trucs. Leonardo. Ezio, content de te voir. Que puis-je faire pour toi? Tu en as trouvé une autre. Très intéressant. Oui, on intervertit ces deux lignes, on mélange le tout à gauche, et c'est fait. Et voilà, quand on déchiffre 4 pages du codex, on a un truc en plus. C'est bizarre, parce que je pensais que c'était dans celui-là... Mais si, c'est dans celui-là qu'on a le flingue, normalement. C'est pas dans Brotherhood. Oh, vous savez quoi, on verra. On verra en temps et en heure, et en cheval. Un petit soin. Oh non, c'est pas le moment d'avoir le hockey-ex. Bonjour monsieur. Salut. Quoi, il est pas mort? What the fuck, il est pas mort? Ouais. Plouf. Discret comme une ombre. Voilà. Ah bah super, je suis à l'opposé. Elle était quand même beau à l'effet de l'eau à l'époque, hein. Oh, un coffre. Mais j'en veux pas. Je suis comme ça, moi. J'en veux pas. Garde-le, ton coffre de mes couilles. Bon. Allez, on y est presque. On a passé 5 minutes de vidéo à essayer de se faire chier à l'objectif. Voilà. Où est Emilio? Je lui ai demandé de venir. Vous lui avez dit? Vous-même? Oui, moi-même, en personne. On dirait que vous ne me faites pas confiance. On dirait. Il viendra peut-être avec les autres. Marchons un peu. Oh, ça peut être une conversation. C'est un sans-follow.
Bonjour. Alors, quelle est la situation au palais? À vrai dire, c'est délicat. Mochenigo ne se laisse pas facilement convaincre. J'ai essayé de préparer le terrain, de faire des suggestions. Mais ce n'est pas ma voix qui écoute. Il faut redoubler d'efforts et entrer dans son cercle d'intime. Oui, je comprends. Mais c'est plus difficile que prévu. Et pourquoi ça, Khan? Je ne sais pas, ce n'est qu'un... Le Doge ne m'apprécie pas. Ah oui, vraiment? Ce n'est pas ma faute. J'essaie de lui être agréable. J'apprends à connaître ses goûts et je les satisfais. Que ce soit avec les meilleurs fruits des vergers de Sardaigne ou les dernières modes venues de Milan. Oui, et ainsi vous passez pour un flacorneur. Un quoi? Comment m'avez-vous appelé? Un paillasson, un flatteur, un lèche-botte! Dois-je continuer? Bastardo! Vous ne savez pas ce que je vis! Je suis soumis à de telles pressions au palais! Oh, parce que moi je suis mieux loti! Oui, vous n'avez pas idée à quel point! Vous n'êtes qu'un agent de l'État! Moi je côtoie le Doge en personne! Je vis à ses côtés, jour et nuit! Avouez-le, vous aimeriez être à ma place! Vous avez fini? Pas encore. Maintenant, écoutez-moi. Je vais réussir. Le Doge finira par rallier nos... J'en suis persuadé. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Le temps, c'est justement ce qui nous manque, malheureusement. Après vous. C'est le bruit de l'argent. Vous en avez assez d'être mal dans vos bottes? Vous avez les orteils froids et mouillés à cause de ça? Ah, j'ai pas trop perdu la main pour infiltration, apparemment. Le problème, c'est que si je dis pas de bêtises, il y a des gardes droit devant. Enfin, je suis pas sûr. Je commence à avoir mal aux pieds. Ça va. On ne pourrait pas s'asseoir un moment? Nous discutons de sujets trop sensibles. Je ne veux pas prendre de risques. Bon, c'est bon? On a fini? Non, toujours pas. Oh là là. C'est long. Bonjour, mon cousin. Signor Carlo? Emilio n'est pas avec vous? Emilio est mort. Quoi? Comment? L'assassin. Celui-là même qui a éliminé les Pazzi. Il est ici, à Venise. Vraiment? Silvio, vous ne le saviez pas? Nous devons nous méfier. S'il était ici en ce moment, nous ne le saurions même pas. Rendez-vous compte, il a frappé Emilio dans son propre palais. Mais alors, qu'allons-nous faire? Je crains que l'heure ne soit plus à la subtilité, mes frères. Il faut passer à l'acte. Mais Marco, je touche au but! Laissez-moi quelques jours, si je peux... Non, nous agirons cette semaine. Il ne faut pas rester là. Avez-vous la bénédiction? Comment? Il me reste tout ça à assassiner? Vous allez pouvoir le lui demander très bien. Allez hop, mesdames. Le voyage? De Rome? C'est ce qu'on dit. Bien. Peut-être a-t-il pris une décision. À quel propos, cousin? Peut-être a-t-il choisi celui d'entre nous qui revêtira la Doge. J'ignorais qu'il y eut là matière à décision. Allez, c'est à vous de jouer. Tout indiqué, oui. Ce sera forcément celui qui a organisé toute l'opération, qui a une idée si brillante qu'elle pourrait sauver notre cité. L'intelligence tactique est très certainement un atout, cher Silvio. Mais c'est de la sagesse qu'il faut pour régner. Vous semblez l'avoir oublié. Du calme, mes amis. Tout cela est inutile. Puis ce n'est pas vous qui décidez. D'ailleurs, il n'est pas sûr qu'il choisisse un barbare. Et pourquoi pas moi? C'est moi qui ai fait toute la sale besogne. Basta! Attendons qu'il soit là. Et il va vraiment venir? Si je oh, de l'or! Oui! Si je Signori, oh, de l'or! Il faudrait avancer un peu plus vite. J'ai l'impression qu'on nous surveille. C'est mon jour de chance! Merci, Dante. Nous allons marcher à ton rythme. Ce garde est très précieux, cousin. Combien vous a-t-il coûté?
Je pense avoir fait une bonne affaire. Oui. Il m'a déjà sauvé la vie par deux fois. Son seul défaut est qu'il n'est guère l'homme cassé. Je ne voudrais pas découvrir les autres chansons. J'en ai assez de vos querelles ineptes. Ce n'est pas à vous qu'incombe le choix du doge. Et je ne vous permets pas d'échafauder des plans. Je suis assez clair. Pardonnez-nous, maestro. Nous ne cherchons qu'à vous servir. La décision est prise. Le doge Mocenigo mourra ce soir. Et une fois cet acte accompli, Marco prendra sa place. Merci. C'est trop de grâce que vous me faites, maestro. Bien. Messer Grimaldi, vous êtes proche de Mocenigo. Vous jouerez un rôle central. Servez-nous bien, et nous saurons nous en souvenir. Venez avec moi. Je ne veux pas que le sang soit versé, vous comprenez? Il faut que tout le monde pense qu'il est parti en paix. Bien sûr, maestro. Quand pourrez-vous l'approcher? Je me déplace librement dans le palais. Il ne fait aucun cas de mes propos, mais... il me considère maintenant comme... Bien entendu. Bravo. Vous allez vous introduire dans les cuisines et empoisonner son repas. Ce sera fait. Marco, pensez-vous pouvoir nous trouver rapidement un poison adapté? Je m'en remets à mon cousin. Une telle requête relèverait plutôt de sa compétence. Ah, Silvio. Je suis à votre service, maestro. Avez-vous une suggestion à nous faire? J'en parlerai à mes associés dans les rues, mais je pense pouvoir me procurer de la cantarelle. Bien, et qu'est-ce que c'est? C'est une forme d'arsenic très puissante et pratiquement indétectable. Tu voudrais prendre mes genoux? Hé, ciao, belle! Ouh là là, ça complote! Alors c'est décidé. Merci. J'espère qu'on se reverra bientôt. Ah! Je suis en train de les perdre. Voilà. Allez! Dépêchez-vous là! Ah voilà, c'est le pont, normalement c'est la fin. Je dis bien normalement, c'est la fin. Voilà, ouais, c'est la fin. Là. On va pas se louper sur la fin, ça serait dommage quand même. Putain, j'aurais à claquer des sous hein, pour cette mission de merde. Pardonnez-moi, maestro, mais ne craignez-vous pas que tout cela devienne trop dangereux pour vous? Après tout, vous vous êtes impliqué personnellement dans cette conjuration. Si je m'implique, c'est parce que je l'ai jugé nécessaire. Les Pazzi ont déçu nos attentes à Florence. J'espère que vous ne les imiterez pas. Ne vous inquiétez pas. Les Pazzi étaient bien trop stupides pour... Les Pazzi étaient une famille puissante et respectable, qu'un jeune assassin a exterminé à lui tout seul. Je vous conseille de ne pas sous-estimer ce fauteur de troubles qui hante maintenant notre cité. Ou les Barbarigo pourraient connaître le même sort. Je vous demande d'agir promptement. Bene, je dois rentrer à Rome. Le temps nous est compté. Ne me décevez pas. Quel idiot je fais. Je n'aurais pas dû les quitter des yeux. Il faut que j'aille voir Antonio. J'ai fait preuve de négligence. Lui seul pourra m'aider. Dieu, que ce fut dur! Et hop, on va y voir Antonio. Par contre, comment est-ce qu'on va faire? Enfin, j'essaie de trouver ça va être quoi la mission après. J'ai du mal à m'en souvenir. Ma mémoire me fait défaut. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié que maintenant je peux rentrer là-dedans comme je veux. Bon, allez voir Antonio. Antonio! Putain, il se cache sous ce con. Ah, mes beaux agrumes! Ta gueule!
voir Antonio, moi, je suis un ouf. Voilà. Par là. Oh, ça, je suis déjà recherché, lol, quoi. J'ai fait tomber un truc, je suis recherché pour avoir fait tomber un truc, quoi. C'est trop fort, quoi. Salut, chérie. Bonjour, mon mignon. Tout va bien? Je te manque déjà. Désolé, ma chère, mais ce n'est pas toi que je viens voir. Je dois parler à Antonio. C'est urgent. Antonio! Ezio est là! Ezio! Est-ce que tout va bien? Carlo Grimaldi et les Barbarigo se sont ligués avec celui qu'on appelle l'Espagnol. Ils projettent d'assassiner le Doge et de le remplacer par l'un des leurs. Toute la cité de Venise et sa flotte seraient à leurs bottes. Et ils me traitent de criminel! Alors, tu vas m'aider? Tu peux compter sur moi, mon frère. Et sur le soutien de mes hommes. Et des femmes. Grazie, amici. Mais, Ezio, je te préviens, cette fois ce sera plus difficile. Le palais ducal est le bâtiment le mieux gardé de tout Venise. J'ai toujours aimé les défis. C'est ce qui nous plaît chez toi, Ezio. Viens, allons jeter un œil. On va trouver un moyen. Venez avec moi contre le Doge. C'est terrible. Mais ces histoires de trahison ne me surprennent plus vraiment. Quand j'étais enfant, on nous apprenait que les nobles étaient justes et bons. Et je le croyais. Mon père était un simple cordonnier et ma mère une servante. Mais moi, j'aspirais à autre chose. J'ai longtemps étudié, j'ai persévéré. Mais les nobles ne m'ont jamais accepté. Il faut croire que pour appartenir à leur monde, il faut y être né. Alors je te le demande, Ezio. Qui sont les vrais nobles de Venise ? Des hommes comme Carlo Grimaldi et Marco Barbarigo? Non! Ce sont les gens comme nous, les voleurs, les mercenaires et les prostituées. Pendant que nous faisons tout pour sauver cette cité, les nobles en font leur terrain de jeu. Nous devons explorer les alentours du palais, l'observer sous tous les angles. C'est ainsi qu'on trouvera une entrée. Il y a un campanile juste derrière le palais. Nous pouvons aussi essayer d'escalader l'arrière de la basilique. Qu'en penses-tu? Et par devant, c'est impossible? Va ben. On essaiera aussi par devant, petit malin. Ah là là. Hop. Ça en va? Ouais, ça en va, hop. Hop là. Te suicide pas, Antonio, s'il te plaît. Allez, viens. Alors, qu'en penses-tu? Non, impossible d'entrer par là. Ils auront assassiné le Doge avant qu'on ait éliminé tous les gardes. Donc faudra aller forcément par derrière. Oh, me dites pas que c'est la mission avec le... avec le deltaplane. Oh, ça me ferait chier. En fait, c'est la mission qui me pose le plus de problèmes dans ce jeu. Je sais pas pourquoi, j'y arrive absolument pas. On va comprendre. Et là, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est par là. C'est par où? C'est de ma gueule là. Allez, Dio, plus vite! On monte, allez! Je t'en cul! Hein? Le bord de sens ou quoi? Ah non, c'est bien là. Bon, allez où Antonio là? Il fait quoi là? Quand tu veux, hein? Allez! On se dépêche! Lol quoi. Regarde ça! Il y a des archers partout! Et les murs sont impossibles à escalader de ce côté-ci. C'est ça qui m'énerve! Quand on veut faire un saut de la foi et qu'il le fait pas! Putain! Zen.
J'espère qu'il va pas me faire commencer toute la mission, hein. Bon, ça va. Ah bon. Regardez, on est d'accord. Il y a un truc de foin là-bas. Et là, il veut bien. Et là, je sens déjà les rabat-joie qui vont dire « Ouais, mec, t'as pas sauté dans le bon sens. » Et alors ? Et alors ? Je m'en fous, moi. Je veux qu'il soit fluide, le Ezio. Bon, Antonio, tu te grouilles, là ? Je sais pas que ça va foutre, moi. J'ai des gens à aller assassiner et t'es un peu un boulet, là. Allez hop, il me suit, il me follow, c'est bien. C'est pas là, tête à la tête à la tête à la. Et bien sûr, je peux pas. Ah, si, je peux passer par là. C'est pas un mur invisible qui va m'arrêter. On peut faire gaffe parce que parfois il y a des gardes qui passent ici. Eh bien, quelle chance! Ces échafaudages devraient nous permettre de monter et d'atteindre le toit de la basilique. Alors? Alors, on va tenter, hein. Donc, hop, hop. Bon, par contre, t'as intérêt à me suivre, hein. Parce que l'IA est toujours molle du genou à essayer de suivre. Voilà. Allez. Regardez-le! Il est en retard déjà. Bon, tu viens? C'est bon, t'as fini? Et là, je pense que c'est quand même impossible. Allez, plus qu'à attendre. Allez, grouille! Et Dieu, regarde! C'est bien lui? Grimaldi! Vous ne comprenez pas ce que je vous propose, signore. Je vous en prie, écoutez-moi. Ou ce sera votre dernière chance. Comment osez-vous ? Désolé, excusez-moi. Vous m'avez mal compris, je m'inquiète pour votre sécurité. Nous allons manquer de temps. On ne passera pas par cette grille. Il y a des gardes partout. Diavolo ! Par ici. C'est impossible. À moins de se laisser pousser des ailes, on n'entrera pas. Oui, des ailes. Mais où est-ce que tu vas ? Je vais voir mon ami, Leonardo. Je le savais, je le savais. Je l'ai senti venir à 10 km cette mission. Cassez-vous. J'aimerais bien pouvoir faire cette mission avant d'arrêter la vidéo. Parce qu'en plus, une fois qu'on sera en haut, faudra jouer infiltration. Je me fais spotter une fois, c'est mort. Et bien entendu, j'ai pas d'arbalète et je parie que les couteaux de lancer ne vont pas les one-shot. Étrangement, les couteaux de lancer ils one-shot à Florence, mais à chaque fois que je réessaye ici, à moins qu'il faut être vu de dos, faut que le mec que te tourne le dos pour lancer un couteau, hein, parce que oui, à cette époque, les couteaux de lancer ça marche que dans le dos. Bon, je m'éloigne un peu là. Du vent. Cache-toi! J'ai pas d'argent. Enfin, si j'en ai beaucoup, mais. Je m'en fous, c'est le mien. Voilà. Allez, mon petit Ezio! T'es presque devant Leonardo! DiCaprio. Oh, lâche-moi! Cachez-vous! J'ai besoin de toi, Leonardo. Elle fonctionne? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'elle fonctionne, Leonardo? Est-ce qu'elle peut nous faire voler? Je ne sais pas. Ce n'est qu'une ébauche, un projet. Elle n'est pas prête. Tu l'as essayé? Non, c'est trop dangereux. Il faudrait s'élancer du haut d'une tour. Personne ne serait assez fou pour faire une chose pareille. Leonardo, je crois bien que tu as trouvé ton homme. Alors, comment ça marche? Tu as déjà observé un oiseau en vol? Ce qui compte, ce n'est pas le poids, c'est la grâce et l'équilibre.
Tu dois utiliser le poids de ton corps pour contrôler ton altitude et ta direction. Bonne chance, Ezio. Oh, j'arrive à bien voler en plus avec. Mais je n'y arriverai jamais. Tout cela est ridicule. Le palais est bien trop loin. Mais non, regarde, j'y arrive moi. J'abandonne. Si je continue, je serai mort avant de pouvoir tuer le moindre templier. Bim. C'est incroyable! Ça a marché! Ça a marché! Tu as volé, Ezio! Tu as volé! Oui, mais pas très loin. Et à quoi est-ce que tu t'attendais? Cette machine n'a pas été conçue pour ça. Bien, écoute, je vais essayer de revoir mes plans. Je trouverai peut-être un moyen d'allonger la durée de vol. Ezio, d'après mes hommes, Carlo a le poison. Il faut faire vite. Antonio, voici Leonardo, l'inventeur de renom qui a construit ce pezzo di merda. Hey, la machine n'y est pour rien. C'est ma faute. J'ai vérifié mes plans à plusieurs reprises et... Ah, c'était pas possible. Je ne sais pas comment voler plus longtemps. Ah, oh, quelle idée insensée. Eureka! Mais bien sûr! C'est ça! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? L'air chaud monte. Il faut du feu. Avec de l'air chaud sous les ailes, la machine montera. Leonardo, un simple feu ne servirait à rien. Pas un feu, Ezio. Une dizaine, allumée dans toute la ville. Si tu pars d'ici, cela pourrait te porter jusqu'au palais ducal. Comment? Oh, capisco. Mes hommes s'en chargeront. Reste le problème des gardes. Ne t'inquiète pas, j'en fais mon affaire. Je vais faire passer le mot à mes hommes, ils vont te suivre. Et rester à ces endroits. Ils allumeront les feux dès que le soleil se couchera sur Saint-Marc. Oh, super! Encore un truc où est-ce qu'on doit assassiner des gardes, c'est trop cool. Bon, déjà eu... Hein? Ta gueule! Merci pour l'épée. Vol! Sois un oiseau, mon fils! Putain, j'aurais tué les deux, je suis déjà quasi repéré, quoi. Bon, tant pis, on va utiliser les toits, comme d'hab, hein. Allez, on va excuser les lieux, parce qu'on a pas trop le choix, de toute façon. Comme ça, après, j'espère qu'on pourra choper l'armure d'Altaïr. Ta gueule. Là, donc faut que j'ai 4 points. C'est bien, j'ai 20 cibles. Allez, descends. Là-bas. Toi, tu n'iras nulle part. C'est vrai. Salut. Voilà. Putain, faut que j'aille à 10 km là. Oh, ça va faire chier ça. Mais t'sais qu'il y a un feu sur le bateau. Oula. Salut! Oups! LOL, ils m'ont même pas spoté! Bizarre! On passe par là. Oh, y'a un peintre! Ah! On tient quelque chose là!
Hop, on va casser ça. Good. Hop. T'as deux coups de couteau pour en tuer un quoi. Ah putain, non, en fait faut que je fasse tous les points, c'est obligé, fais chier. Ouais, c'est vrai, t'iras nulle part. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Le voilà, vite, arrêtez-le. Aïe. J'ai perdu sa trace. Là-bas, c'est lui. Capturez-le. Allez, salut. Merci pour la masse. Allez, à l'attaque. Ça a pris. Il va faire une erreur. Ah mais d'accord, vous voulez pas? D'accord, pas de problème. Un petit soin. Salut. Aïe. Hey, cogne. Voilà. Et voilà, terminé. Nickel. Bon. Maintenant on va faire cette fucking mission. Bon, elle est où le mec qui arrête pas de me faire chier? Tiens, quelques petits sous pour toi. Ta gueule. C'est vous. Alors. Droite, non pas droite. Que c'est vous, merci. Putain, c'est loin. Oh là là, ça va être encore à 10 km, vous allez voir. En plus, j'ai l'impression que la nuit se couche. Enfin, le jour se couche, pardon. Restons un peu dans le français quand même. Voilà, je commence à avoir mal aux yeux. Il fait sombre là. Je me rappelais pas que la nuit pouvait tomber aussi vite dans le jeu. Qu'est-ce qu'il y a ici? Hop. Voilà. Alors, par là. Faut déjà plus foutre les chevaux, hein, franchement, dans la ville. Hein. D'ailleurs, les chevaux ont été retirés dans Revelation. Ta gueule! Je suis innocent, j'ai juste poussé quelqu'un! Pourquoi est-ce que tu veux m'agresser? Oh là là, je vous jure! Vous imaginez si dans la rue vous heurtez quelqu'un? Hé hey, toi là, viens-y, je t'étrange la gorge! Mais j'ai rien fait! Ce serait quand même ballot, hein! Allez, je
Je suis à moitié chaud, mais on va y aller quand même pour cette putain de mission. Allez, let's go. C'est le moment. Tu as réussi. C'est magnifique. Oui. Espérons que ça marchera. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Écoute-moi bien, Ezio. Tu vas devoir te déplacer de feu en feu. Chaque fois que tu en survoleras un, la chaleur te permettra de remonter un peu. Bene. Mais sois prudent. Ils ont posté des archers sur les toits. Évite leurs flèches. Ou tu n'iras pas loin. Si je pouvais me servir de mon épée tout en dirigeant cette machine. Eh bien, il te reste tes pieds. Si tu peux te rapprocher des gardes sans prendre une flèche, tu arriveras peut-être à les faire tomber. Pas bête. C'est maintenant ou jamais, mon ami. Allez, ça va être le bordel. Tire ! Tire ! Il y a un feu là-bas. Hop, on descend. Yeah ! Ouh ! Ouh là là ! Ouais, j'aime voler. Oh putain, j'ai pris le chemin que j'aime pas en plus. Je crois qu'au bout d'un moment, il va commencer à tomber ce con. Hop. Hop. Yeah. Cette maîtrise. Ah, oh, je recevais déjà, dis donc. Yeah! Youhou! 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 Ah! Oh, mais cette maîtrise, dis donc! Oh, la maîtrise que j'ai eue! One shot! C'est une première pour moi! Adieu, la bibiche! Et c'est maintenant que les problèmes arrivent. Rien du tout. Des enfants qui jouent avec des feux d'artifice. Venez, c'est à vous. Et c'est maintenant que les emmerdes commencent. Je sais. Allez, descends. Le voilà. Et voilà, repérer les synchronisés. Ah. Allez, on va tester un truc, on va voir si les couteaux de lancer one shot dans le dos. Ça one shot dans le dos, tant mieux. Ça one shot pas, je vais avoir l'air con. Vérification. D'accord, ça one shot pas. Donc ils servent à rien. Ça ne sert plus à rien les couteaux de lancer. À Florence, ça one shot. À Venise, ça ne one shot plus. Super. Youpi. Bon, on va sortir la lame secrète, hein. On va attendre les bons moments pour tuer les gardes, hein. Quoi, pas trop le choix de toute façon. Normalement d'ici je l'ai. Voilà. Voilà. Comment le petit con là? Normalement là, si je l'ai. Ah non, je l'aurais pas d'ici. Quoique, s'il va là. Ouais, y'a moyen là. Oh là! Et normalement ici y'a plus personne. Enfin, j'espère. Ce serait quand même ballot d'arriver ici de me dire que.
Il y avait encore un garde quelque part. Ah non, c'est bon. Bizarre. Bah, vous savez quoi, on va tenter le saut directement. Non, signore, ne buvez pas. C'est trop tard. Le doge est mort. Quoi, Carlo? Je suis désolé, signore. Vous auriez dû m'écouter quand vous en aviez l'occasion. Je crains que tu n'aies échoué, assassin. Pardon, signore. J'ai essayé. Pourquoi? Je ne comprends pas. Oh. Assassino! Assassino! Mort. Il a tué le doge! Le doge est mort! Voilà. Rien de tel qu'un assassin pour en tuer un autre, n'est-ce pas? Nous tuons seulement si c'est dans notre intérêt. N'est-ce pas, Messaletio? Non, je ne fais pas ça pour moi. Si je te sacrifie, c'est uniquement pour le bien de mes semblables. Requiescat in pace. Tu m'as tué. Tu m'as tué. Bon. La sortie. Et vite, on se casse. Voilà. Vraiment ici je me fais plus voir. Voilà, facile. Youhou. Yeah. Oh mon dieu, cette texture est tellement HD sur son petit chapeau. Page du codex récupéré. Nickel. Je vais peut-être avoir une nouvelle arme. Un fusil. C'est qu'ensuite terminé. Voilà, bon je vois qu'il y a une quête ici et je vois qu'il y a l'armure au fond. Donc on va s'arrêter ici et pour le prochain épisode on va aller choper l'armure. Ça sera un bonheur donc mes loulous, sur ce, je vais vous laisser ici. Prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll, n'oubliez pas d'avoir la... Ouiiii attitude, comme d'habitude, j'ai trouvé vos culs que ça change, donc c'est le dicton. Je vous laisse le pain partout et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, bye et peace.